Je me suis inscrite à la phase 1 parce que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je n'allais pas très bien et je ne comprenais pas pourquoi. Je vivais une vie très confortable, un mari, des enfants adorables, une belle maison, un bon travail. Mais je sentais qu'au fond de moi, je vivais un grand vide, une grande tristesse. Et puis, j'ai fait un atelier à Tahiti sur la confiance et l'estime de soi. Et là, j'ai eu comme une lumière. Et je me suis dit, c'est peut-être la chance de ta vie. Et en même temps, j'étais arrivée à un moment où je voulais changer de travail. Donc j'ai vu par cette opportunité l'occasion peut-être de trouver des réponses à mes questions et aussi peut-être l'occasion de changer de travail. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai fait le saut. Depuis que je me suis inscrite à la phase 1, je pense que tout a changé dans ma vie. Mais bon, j'ai toujours le même mari, les mêmes enfants, la même maison, mais c'est ma façon de vivre en fait, d'aborder la vie. C'est-à-dire que pour moi, tous les jours, c'est un cadeau. Alors qu'avant, la vie, pour moi, c'était... Je faisais beaucoup de choses dans la contrainte. Je le faisais parce que je devais le faire comme mes parents l'avaient fait, mais maintenant je vois plus la vie de la même façon. J'ai beaucoup aimé suivre les ateliers de façon intensive parce que, comment te dire, le fait de tous les faire les uns après les autres, je pense que c'est ça qui m'a permis d'apporter un vrai changement, une vraie transformation. C'est totalement différent d'en faire un de temps en temps. Après, tu rentres chez toi, bon, tu fais tes exercices. Mais là, c'est pas pareil. Tu les prends tous en même temps. Et tous les jours, si tu veux, chaque jour t'apporte quelque chose. Je dirais que c'est le plus beau voyage de ma vie. Parce que c'est un grand voyage à l'intérieur de moi.